putain de pompe. Oh, mais tu penses vraiment que les pompes, c'est ton pote? Tu viens à peine de commencer les pompes. J'ai mis des années à maîtriser ma technique. J'ai grandi avec les pompes. J'ai été créé par les pompes. Les larmes, la douleur, la congestion, tout ça, ce n'est plus rien. Tes petits pecs te trahissent, car les pompes, c'est pour moi. Bon, du coup, il a fait combien? On n'est pas à 52. 52, c'est très impressionnant, je suis en train de m'en rendre compte. Donc vous l'avez vu que je fais mes pompes sur les poings, c'est un réflexe que j'ai depuis toujours, enfin depuis que je m'étais fait une sorte de, on appelle ça une tendinite au tennis. Donc pour ne pas casser le poignet. Le problème, ça me rajoute de l'amplitude, mais c'est un choix que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc 39 répétitions, rendu au record du monde. Je suis content d'avoir testé quand même, parce que malgré cette super intro que je vous ai fait, je fais jamais de pompe. Je fais jamais de pompe. Et je fais que du très court en nombre de répétitions et rarement du long. Donc bon, à nouveau, ça demande de l'entraînement. Les mecs que je vous ai montré un peu plus tôt, enfin le mec que je vous ai montré un peu plus tôt, c'est un mec qui fait de l'entraînement au poids de corps. Donc je pense que ça se travaille. Je pense que je pourrais aller chercher les 50 répétitions sur un bon 3 mois de travail. Mais pour ce premier essai que je voulais vous balancer, je ne veux pas le faire 1000 fois pour pas vous mentir. Ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de tester parce que ce challenge, il est super facile à réaliser, en tout cas à mettre en place. On est loin des 1000 répétitions, même si les 1000 répétitions sont une énorme épreuve d'endurance que j'ai pas essayé et que j'ai pas envie d'essayer. Mais félicitations à tous ceux qui ont testé les 1000 pompes. Ce que je vous demande de faire du coup, c'est de l'essayer, de vous chronométrer, de vous filmer et de me taguer en story sur mon compte Instagram pour que je puisse mettre en avant les meilleures performances sur ce challenge. Est-ce que dans la communauté, est-ce que sur YouTube France, on a des gars qui sont capables de battre les 52 répétitions du mec que je vous ai montré en début de vidéo? J'en suis persuadé. Alors maintenant, c'est à vous de me le prouver. Pensez quand même à vous échauffer avant de faire ça. Parce que c'est très court, mais c'est très intense, il faut pas le faire à froid. Avant d'enregistrer mon set, je me suis échauffé la coiffe des rotateurs, je me suis échauffé les triceps, j'ai échauffé le dos et j'ai échauffé les pectoraux. Il faut vraiment être prêt pour un effort aussi intense. Et également d'un point de vue des performances, parce que vous n'arriverez pas à être vraiment performant si, en plus que ce soit la première fois que vous faites ça, vous êtes totalement à froid. Donc échauffez-vous bien, filmez ça, battez mon record, taguez-moi sur Instagram et puis on se voit dans les stories. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo très courte les gars aujourd'hui pour ce challenge, ça change de d'habitude. Mais c'était sympa à tourner et encore plus à partager, j'ai hâte de voir vos retours. N'oubliez pas comme d'habitude si vous avez bien aimé la vidéo, bien sûr de liker la vidéo, bien sûr de vous abonner. Si vous avez d'autres idées pour les challenges, j'ai vu qu'il y a la même chose pour les tractions, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait une barre de traction à la maison et que ce soit très safe pour les murs justement de faire un effort aussi intense et peut-être avec un peu de balancement sur vos murs et sur vos barres de traction un peu... à l'arrache chez vous, mais en tout cas, si vous avez des idées de challenge, je vous invite à me les partager dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à taguer vos potes dessus parce que je sais que tout le monde peut le faire celui-là. N'hésitez pas à taguer tout le monde parce que j'ai envie de voir la communauté en France absolument déchirer ce record. Je compte sur vous les gars et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.